Alors bonjour tout le monde, bonjour ceux qui sont ici, bonjour ceux qui sont sur YouTube, et puis ce matin j'ai envie de saluer, on a quelques membres qui sont en Floride, là. Alors je sais qu'ils vont nous regarder sur YouTube, alors un beau bonjour de la communauté ici dans Ottawa-Gatineau, vous nous manquez déjà, alors au plaisir de se revoir. Ce matin, on est au deuxième dimanche du carême, et puis les textes nous parlent d'un projet. Ça va être d'ailleurs le thème de cette célébration. Dieu a un beau projet pour nous. Dans la première lecture tirée de la Genèse, on voit Dieu qui propose un projet à Abraham, et dans l'évangile de Saint Matthieu ce matin, au chapitre 17, on a la transfiguration du Seigneur sur la montagne. Et c'est un peu en anticipation ce qui nous attend au bout de ce projet-là que Dieu nous offre. Et la deuxième lecture tirée de Saint Paul l'apôtre à Timothée, la deuxième lettre, bien, il explique que, en quoi ce projet-là de Dieu est réalisable, de quelle façon on va être aidé à répondre aux appels que Dieu nous fait. Alors, bonne célébration. La première chose ce matin, c'est numéro 9, la page 60, verset 1, 2, 3, 4, 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire. Nous avons vu des hauts faits éclairant notre histoire. La terre tremble devant toi, les grandes eaux frémissent, le monde est l'œuvre de tes voix, ciel et vent obéissent. Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. Tu viens encore nous visiter et sauver ton ouvrage. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, ô maître de l'histoire. Que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens du Seigneur les reins silicaires et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets. Créons-nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour. Et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 14,
nous allons faire la prière pour le deuxième dimanche de carême. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous de marcher à ton exemple, dans la voie de la justice, tous les jours de notre vie. Toi qui es en Dieu, vis et règne avec le Père, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la Genèse. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays, laisse ta famille et ta maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te rendrai grand ton nom. Et tu viendras une bénédiction. Je bénirai ceux que tu bénirai. Ce qui te bénira, il maudirait celui qui te méprisait. Et toi, seront bénis toutes les familles de la terre. Abraham partait, comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partait avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Et répéter après moi, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi, ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour, ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Ensemble, le Seigneur, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble, Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture, lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Sa parole. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant tout. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu veux, on va dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent face contre terre, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et leur dit, « Non, relevez-vous, n'ayez pas peur. » Et levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez pas à personne de cette vision-là avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans les textes, tantôt, on a entendu le mot « projet hein? ». Alors, je rappelle le thème là, de notre célébration d'aujourd'hui. Dieu a un beau projet pour nous. Alors, dans la première lecture, c'était le livre de la Genèse, hein, le premier livre de la Bible. Et ce qu'on a entendu là, dans cette lecture-là, c'est que Dieu lance des appels. Hein? C'est d'ailleurs comme ça au début de la Genèse. Un appel à exister, hein, qui est lancé au monde, à la nature. Hein. Vous allez vous rappeler là, que la lumière soit et la lumière fut, que le ciel soit séparé de la terre, il en fut ainsi. Alors, puis ensuite, bien, c'est l'appel aussi à établir des humains. En créant Adam, puis ensuite, à partir d'Adam, création d'Ève. Alors, on voit que Dieu, dès le début, lance des appels. Et puis, dans la Genèse de ce matin, au chapitre 12, c'est un appel qui est lancé à Abraham. Alors, il propose à Abraham de se mettre en marche vers quelque chose qui est bon. Et c'est pour ça qu'Abraham va se mettre en marche, même si ça représente des difficultés. Alors, il lui promet une descendance nombreuse. Genèse 12, le verset 2. Et aussi, à l'appel que Dieu lance à Abraham, est associée une fertilité. Une fertilité physique, hein, il promet à qu'Abraham va avoir des enfants, beaucoup, et aussi qu'il va y avoir une descendance nombreuse à partir de ces enfants-là. Mais ce n'est pas juste une fertilité humaine, c'est aussi une fertilité spirituelle. Parce que plus loin dans le verset 3, toujours dans le chapitre 12, il lui dit encore, « En toi seront bénis toutes les familles de la terre. » Alors donc, le projet de Dieu, lancé à Abraham, Abraham y croit, se met en marche, et ça s'associe, ça produit une fertilité, une descendance nombreuse, et aussi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors voilà ce que la Genèse nous présente. Alors, Paul va essayer d'approfondir tout ça, de travailler le sens. Et il nous dit dans sa deuxième lettre à Timothée que Dieu nous appelle à vivre pleinement.
Alors, vous voyez, il y a comme une précision sur le projet. On va comme un petit peu plus loin avec Saint Paul dans sa lettre à Timothée. Et dans le fond, c'est que probablement que Saint Paul a en arrière-pensé un autre texte de l'Ancien Testament qui porte là-dessus sur le projet de Dieu à notre égard. C'est dans le prophète Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Dieu veut vous rendre prospère et pas vous faire du mal, mais vous donner de l'espoir et un bel avenir. Voilà le projet que Dieu nous propose. Alors, l'Église nous invite à faire comme Abraham dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est-à-dire de croire en Dieu, de croire en son projet, et puis de se mettre dans ses mains, comme l'a fait Abraham, parce qu'il avait la certitude qu'avec Dieu, il ne se trompait pas, que Dieu allait vraiment le mener vers du bon. Et ne pas penser que le bonheur que Dieu qui nous est donné dans ce projet-là, c'est un bonheur qu'on peut se donner à nous-mêmes. Hein? C'est un projet qui demande qu'on se mette dans les mains de Dieu, parce que pour y arriver, on a besoin de sa grâce. Hein? 2 Timothée, le chapitre 1, les versets 8 à 10. On ne peut pas le faire par nous-mêmes parce qu'il y a une habileté fondamentale qui nous manque pour arriver au bout de ce projet-là et connaître le bonheur véritable. Ça nous prend la grâce de Dieu. Alors donc, il faut vraiment marcher avec Dieu. Et cette grâce-là, dans le fond, elle passe par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui actualise, et là on est toujours dans la lettre de saint Paul à Timothée, c'est lui qui actualise tout ça par sa mort-résurrection. 2 Timothée 1, le verset 10. Alors, qu'est-ce qui arrive dans le fond à travers Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est que si on croit en lui, si on croit dans les mérites de sa mort-résurrection, bien, il nous relie à Dieu. Un lien qui avait été brisé, c'était le thème de la semaine passée, de dimanche passé. Comment est-ce qu'a été perdue l'espèce de félicité dans laquelle nous avions été créés quand Dieu nous a placés, en tout cas a placé nos premiers parents, dans le paradis terrestre. Il les a mis, dès le départ, dans la félicité totale. Mais ça a été perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé du fruit défendu. Ils ont cédé aux convoitises du démon, hein, symbolisé par le serpent, qui leur dit, mais non, mangez de tout. Si Dieu vous a interdit de manger les fruits de cet arbre-là, c'est parce qu'il y a des affaires qu'il ne veut pas que vous sachiez. Il veut garder ça pour lui, pour dominer sur vous. Et là, on connaît la suite, c'est qu'ils ont cédé à la convoitise, puis ils ont mangé le fameux fruit, et ça a entraîné la déchéance de nos premiers parents. Et cette déchéance-là, c'est ce que l'Église enseigne, elle a été passée à tous les humains par la suite, ce qu'on appelle la tâche originelle. Le péché originel. Alors, à cause de ça, s'est développé dans la religion des anciens, là, avant le christianisme, une espèce de culpabilité fondamentale qui fait qu'on ne se sentait pas correct de se présenter devant Dieu. Et cette attitude-là a nuit à l'humanité. Parce que ils ont mis de l'énergie dans beaucoup d'affaires pour essayer d'apprivoiser Dieu, puis de l'amadouer, puis finalement, ça marchait plus ou moins. Mais en Jésus-Christ, par les mérites de sa mort-résurrection, il nous a libérés de ça. Il nous a lavés à grande doux, il nous a redonné la justice qu'on avait au départ. Il nous a redonné la félicité des origines,
ce qu'on avait perdu quand on était chassé du paradis terrestre. Alors, par la foi en Jésus-Christ, par les mérites de ce que son sacrifice nous a acquis, nous pouvons de nouveau nous présenter devant Dieu et lui dire, Seigneur, c'est pas moi, là, parce que moi, je traîne cette tâche-là, je fais partie de l'humanité, mais à cause de mon attachement à ton Fils Jésus-Christ, qui m'a sauvé par sa mort et résurrection, j'ose me présenter devant toi et je veux être restauré en grâce. Je veux retrouver la disposition que les humains avaient au début quand tu les as créés à ton image. C'est quand même quelque chose de merveilleux que le Seigneur nous a apporté. Et c'est peut-être ça, le beau projet. C'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes restaurés dans l'état que nous avions à l'origine, pas par nos mérites à nous, mais par les mérites qui nous ont été acquis par le Christ. Et le récit de la Transfiguration dans l'Évangile d'aujourd'hui, le chapitre 17, bien, c'est que la Transfiguration, c'est un avant-goût de ce qui nous attend vraiment, c'est-à-dire de jouir de la pleine communion à Dieu, dans la mesure où nous restons unis à Jésus-Christ et que, de cette façon, nous recevons la grâce pour continuer notre route d'une manière qui plaît à Dieu. Parce que, quand on regarde ça de près, le récit de la Transfiguration, c'est qu'il y a des choses qui sont utilisées, des mots, des expressions, des symboles, pour décrire cet état. D'abord, la blancheur, hein. Les vêtements de Jésus sont devenus blancs comme neige à partir à un certain point de l'expérience. Bien, ça, l'aura blanc, ça symbolise, ça exprime la communion à Dieu. C'est pour ça que les saints, quand on les représente, par exemple, sur une icône, des fois, ils ont comme une espèce de cercle autour de la tête. C'est toujours blanc quand vous regardez ça, ou doré. Parce que le doré, c'est comme un degré plus élevé encore de communion à Dieu. Mais le blanc, c'est le niveau de base. Quand on est en pleine communion avec Dieu, et les saints l'ont vécu, le vivent, ils sont dans l'aura blanc, et les mystiques qui ont une capacité de saisir plus que le commun des mortels, ils disent que quand la personne reliée à Jésus-Christ reçoit la grâce divine, puis qu'elle est comme ça restaurée dans son état original par rapport à Dieu, bien, il y a autour d'elle un aura blanc. Et que même on peut sentir l'odeur des roses. C'est l'aura blanc de la communion à Dieu s'accompagne généralement chez les personnes qui sont capables d'aller loin là-dedans, là, d'une odeur caractéristique qui est l'odeur des fleurs. Puis, si vous allez plus loin dans cette odeur-là, c'est la rose que ça sent. Et il y en a même qui vont plus loin là, parce qu'ils disent que ça ouvre comme un canal jusqu'au trône de Dieu. C'est pour ça que si vous cheminez dans cette expérience-là, vous rencontrez des anges, vous rencontrez les grands archanges là, qui sont près du trône de Dieu. Alors, c'est quand même quelque chose de fantastique. C'est pour ça qu'on parle d'un beau projet. Tu sais, c'est pas un petit projet, là. C'est pas un projet à peu près. C'est vraiment un gros projet dans lequel Dieu nous invite. Et puis, le récit de la Transfiguration sur le mont Tabor, c'est vraiment en anticipation. C'est Dieu qui nous dit, regardez, là, c'est mon Fils, lui, écoutez-le. Puis si vous l'écoutez, si vous vous unissez à lui, que vous vivez votre vie par rapport à ce qu'il vous enseigne, bien, vous allez vous aussi atteindre ce niveau-là, parce que le Seigneur le dit,
Moi, je ne suis pas le seul à faire ça. À partir du moment où je suis en vous et vous en moi, vous allez pouvoir faire les mêmes affaires que je fais. Autrement dit, c'est que ce qui se passe avec Jésus au mont Tabor, sa belle communion dans l'eau à blanc, c'est en anticipation de nous dire, regardez là, à quel état de beauté et de grâce vous pouvez atteindre vous autres aussi. Hein? Dès ce monde, parce que ça s'est passé sur la terre, la transfiguration. Tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, mais tout ça, là, c'est au ciel, là, moi, c'est la vie actuelle qui m'intéresse. Mais non, Jésus s'est transfiguré dans sa vie terrestre en anticipation de ce que de ce qu'il nous apporte à tous. Alors, cette communion-là, c'est une communion d'amour. Hein? Et puis, par et pour l'amour annoncé dans l'Évangile, hein, dans Matthieu 17, 5, et que Jésus lui-même a vécu jusqu'à mourir sur la croix. On se rappelle des paroles de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Quand Jésus meurt sur la croix, ce qu'il dit à Dieu le Père, c'est « Papa, je t'aime à ce point-là. Si je ne t'aime pas du bout des doigts, c'est toute ma vie que je suis prêt à donner pour que tu règnes dans le monde. » Alors ça, on a ça dans l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 15, le verset 13. Autrement dit, la grâce dont on a besoin, qui vient de Dieu, elle est rendue visible en Jésus-Christ, Rédempteur. Et chaque fois que nous célébrons la messe et qu'on rappelle ça, là, par les paroles de la consécration, que on va recevoir le corps et le sang du Christ, ce corps et ce sang donnés par amour, et puis qu'on communie. C'est pour ça que les gens maintenant, beaucoup disent, ah ben, moi je prends tout ça sur YouTube, là. Je ne vais plus aller, je ne me déplace plus. Mais non, YouTube c'est parfait, c'est mieux que rien. Mais il faut venir à la messe, il faut communier, parce que en communiant au corps et au sang du Christ, c'est là qu'on est encore plus habilité à entrer dans cette belle communion, dans ce bel ouragan de l'amour de Dieu. Oui, Dieu nous lance des appels. Il y a un beau projet pour nous, mais encore faut-il qu'on réponde à l'appel. Tu sais, Abraham, s'il n'avait pas écouté, il serait pas arrivé ce qui est arrivé. C'est parce que l'appel, Abraham l'a pris au sérieux. Et a répondu, il s'est mis en route. Alors le carême, c'est un peu une route hein, qui nous est proposée. Empruntons-la, cette route-là, pendant le carême, pour identifier et faire disparaître en nous ce qui empêche de répondre à l'appel de Dieu. Alors je termine par une prière. Délivre-nous, Seigneur, de ce qui nous empêche de répondre à ton amour. Nos convoitises, notre hypocrisie, notre agressivité, notre orgueil, notre vanité. Nous jugeons et nous condamnons, tandis que toi, Seigneur, tu pardonnes et fais confiance, misant tout sur l'amour. Qu'avec le psaume 32 qu'on a récité tantôt, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, viens changer nos cœurs, les purifier en ce temps de carême. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
allons faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Courville, Jules Champagne, Paulette Astin, Jean-Robert Cournier, Dieu Dion, Corée de Dion, Brigitte Dion et famille, Rénal de Jean Albert, Nan Gauthier, André Cartier, notre Brigitte Vieillissant, prie pour avoir un relève ici dans Porto Gatineau et ailleurs dans l'Église. Que notre Église contre grandir serait la communauté. Prions aussi que Dieu prenne toute sa protection. Les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par des portes très complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et sanitaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons, avec tous les cœurs célestes, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette foi et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. En tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 39, page 86. Il tient le monde dans ses mains, il tient depuis toujours le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Alors, passez une bonne semaine. Vous aussi, merci.